Coucou toi! Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo haul de la Japan Expo 2019. Donc je vais commencer par tout ce qui est manga, ensuite je ferai les peluches et enfin tout ce qui est doll. Donc j'ai fait pas mal d'achats pour les dolls. Bref, je commence de suite avec les mangas. Du coup avec, j'ai eu déjà un poster qu'on va voir parce que je l'ai pas encore déballé, je sais c'est lequel parce que de toute façon on a toujours le choix. Hop, j'ai aussi des marque-pages, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup voilà, j'en ai acheté que 4 entre guillemets. D'abord celui-ci, j'adore les couvertures, les illustrations sont archi cute. Donc franchement les mangas là c'est tous des Anna. Du coup ils étaient à 7 et quelques si je me trompe pas. Je crois que c'était 7,95. Du coup voilà, j'en ai pris 4. Mais avec, on a eu des trucs hyper choupi. Bon, celle-ci s'est retrouvée tordue, j'ai un peu envie de pleurer mais sinon ça va. Regardez-moi comme c'est beau, c'est hyper joli. Donc derrière il y a rien. Et j'ai eu avec 3 marque-pages. C'est archi cute, donc clairement décoration refaite. Ah c'est dans ce sens là, nickel. C'est joli hein. Ensuite on va passer aux peluches. Tadam. Donc ça c'est ma maman qui me l'a offerte, c'est un petit chat et regardez, ses bras ils sont articulés en fait, il y a un fil de fer dedans, il est archi cute. Il est roux, il est trop choupi. Oh, il est grave kiki. Trop chou. Et du coup autre chose que ma maman m'a offert aussi, c'est un petit kiki archi cute. Donc ouais, je garde les étiquettes parce que je trouve ça mignon, celui que j'ai eu. Il me semble que c'est l'année dernière en déguisement d'ours, pareil il a gardé ses étiquettes. Et du coup regardez, elle est trop choupinoune. Et dernier truc hors doll, c'est un crayon, c'est pas un achat en fait, on l'a donné à ma mère et du coup ma mère me l'a donné. Ah oui, c'est pour les trains, il y a les trains sur les côtés. Oui parce que du coup on a été à plein de stands à propos du Japon. Tadam! Première chose, enfin premier stand pour les dolls, c'était au pays des tulipes. J'ai acheté plein de choses. Donc, je vais vous montrer la petite carte qui est trop mimi. Et du coup, à l'arrière, si vous voulez voir. Voilà. Donc, premièrement, on a une sorte de petit chapeau bonnet lapin. Il y en avait en plusieurs couleurs, je l'ai pris en blanc. Voilà, il n'y a pas de motif particulier. Enfin, c'est des petits points. Je suis pas sûre qu'on va les voir à la caméra. Mais c'est un motif blanc avec des petits points. Oh, je pourrais essayer ça pour Mimi, ça lui irait bien. Ensuite, on a un petit t-shirt pull. Alors, ça, je l'ai pris parce qu'il y avait des mangas dessus. Enfin, on se comprend. Mais alors, à qui je vais le mettre? Très bonne question. Et à l'arrière du coup c'est avec un scratch, ça c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de retirer les fringues du bas pour l'enfiler. Je pense que ça vient de Fairy Tail, l'illustration. Alors ça, archi cute. Une petite jupe avec Minnie, Mickey, etc. Vraiment trop belle. Grave jolie, donc elle se ferme avec du scratch à l'arrière comme d'habitude mais elle est pas ouverte jusqu'en bas. Il y a de la dentelle sur le bas et genre mais le motif est magnifique. Donc ça directement... Haruka-chan ou Megumi. On continue encore avec une jupe. Donc ça je pense que ça sera plus Tachibana qui la portera. C'est un motif très pâle. Ça fait un peu fleuri. Donc pareil, même système, un scratch ici, de la dentelle en bas. Donc ça encore, une jupe hyper jolie. C'est un mélange un peu avec une sorte de tulle, enfin un espèce de voile on va dire, et de la dentelle, donc pareil, un petit scratch à l'arrière. Franchement magnifique. Je sais pas si ça sera pour Meiko, parce que pour Meiko ça risque d'être trop long, mais ça sera sûrement pour Asahina. Je trouve que ça lui ira grave bien, c'est vraiment très joli. Donc on continue, on a ces petits collants, c'est archi cute, c'est Hello Kitty. Regardez comme c'est mignon. Donc ça directement, Megumi ou Haruka-chan, hein, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, trop joli, franchement. Cette fois-ci on passe à un legging, donc je ne sais pas si on va bien voir les motifs, mais c'est des petites têtes de chat un peu blasées. Et du coup vers le bas on a un peu de dentelle. Et ça je me suis dit ça ira trop bien avec le t-shirt avec un chat qui fait un doigt d'honneur dans la poche, ça ira trop bien ensemble, je trouvais ça grave marrant. Et du coup dernier achat, une sorte de veste à capuche. Avec, vous voyez des petites oreilles ici, vraiment c'est trop joli. Donc pareil Megumi ou Haruka-chan, je pense que ça ira plus pour Megumi. À l'avant c'est une petite pression et au dessus on a un petit nœud là qui est trop chou. Oh, franchement regardez moi ça, c'est adorable. Ça a été doublé dans la capuche et même à l'intérieur.
Donc ça c'est grave bien. Pour les finitions c'est vraiment super joli. Et du coup, dernier stand. Donc en cadeau j'ai eu entre guillemets que un poster. Alors que j'ai vu d'autres gens qui avaient eu d'autres petites bricoles en cadeau. Moi non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en avait plus, je ne sais pas. Mais du coup j'ai eu un poster et je suis grave grave contente. Je ne l'ai pas encore vu, donc on va le découvrir ensemble. Hop, voilà. Oh, c'est archi cute. C'est trop choupi. Regardez, ça va aller dans ma pièce, hein, c'est trop joli. Hein. Du coup, j'ai acheté plein de choses. Pareil, ce que j'adore, c'est comment c'est emballé. C'est pas un sac en papier ou quoi que ce soit. Là, c'est direct dans une petite pochette. C'est archi cute. Bref, attendez, je vais tout vous déballer. Et du coup, regardez, c'est dans une petite pochette transparente comme ça. Donc, premièrement, la carte, je l'ai en double d'ailleurs. Voilà. Donc, pareil, une carte trop mimi. Donc, c'est Follow the White Rabbit qui est super chou. Franchement j'adore la carte, elle est trop mignonne. Donc on va commencer par ce que ma maman m'a offert, parce qu'elle m'a encore offert quelque chose. Donc je vais vous montrer, c'est un petit sac. Donc pareil, comment c'est emballé s'il vous plaît, c'est archi mignon. Je vais vous montrer de plus près les autres emballages, parce que celui-ci est tout simple, mais les autres vous allez voir. Donc ma maman m'a offert ce petit sac. Donc il contient un petit nounours à l'intérieur, regardez, oh, il est tout fluffy, en plus il est archi mimi. Avec le petit canard et tout, mon dieu c'est trop mignon, on en parle ou pas? Je sais pas si j'utiliserai comme vraiment comme sac pour mes dolls, mais en tout cas il ira en décoration, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup trop mignon. Regarde, t'en penses quoi? Hein, c'est mignon, hein. Un peu, attends, et ça peut peut-être t'aller hein. Waouh, t'es belle. Donc un petit béret archi cute. Oh, c'est tellement bien fait. Regardez-moi ça. Et il y a un petit nœud sur l'avant ici. Qui est trop choupi. Et genre c'est une matière hyper douce dedans. Enfin j'adore, c'est adorable. Donc ça sera pareil pour Megumi ou Haruka-chan. Regardez l'emballage, juste... C'est adorable, on est d'accord. C'est hyper bien emballé et c'est indiqué, ça correspond à qui en fait? Au Pulip, au Dal ou au Kiki Pop, et ça c'est grave bien. C'est trop choupi, tu vois, ça donne même pas envie de déballer parce que tu te dis je vais abîmer ça, je ne veux pas, c'est trop mignon. Ouais, je vais aller chercher des ciseaux. Qu'est-ce que tu fous? Fais attention. C'est... trop mignon. Ah c'est bien, c'est étirable, extensible, je sais pas comment on dit. Mais ça s'étire, ça c'est cool parce qu'il n'y a pas de fermeture. C'est un petit t-shirt fraise. Adorable. Franchement, c'est pour Dal et assimiler. Enfin Dal et assimiler Dal, Isoul, je suppose. Mais sinon clairement ça ira une de mes Yulubé parce que c'est trop kiki. Du coup le col il est vert. À l'arrière ça fait comme ça. Et franchement la petite fraise c'est trop mignon. T'as fini ton bordel ou pas? Non? D'accord. Alors ça c'est archi cute, franchement, cette jupe, il y a des petits strass à certains endroits, il y a plein de petits nounours, ah bah surtout fais comme chez toi, hein. Regardez avec sa patte là, franchement quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, je l'achète. C'est hyper joli, donc le petit tissu de base c'est un tissu blanc avec des petits pois roses et puis il y a deux, enfin il y a de la dentelle et un autre petit tissu un peu en tulle, plein de petits nounours, des petits strass et tout. Oh là là, c'est vraiment trop joli. Ça c'est plus le style d'Haruka-chan que de Megumi. Oh j'avais même pas vu, à l'intérieur il y a les étiquettes avec le nom. On va continuer dans les jupes. Et franchement, et pour des trucs faits main, c'est vraiment pas cher du tout. Hop là. Regardez cette ad... Non, c'est pas pour toi ça. En plus, ce qui est bien, c'est que les élastiques, ils sont vraiment bien serrés. Du coup, ça va vraiment pas tomber. Mais vous avez vu l'épaisseur? Il y a plein de couches. C'est vraiment trop joli. Donc, c'est une petite jupe violette à pois blancs. Et en fait, c'est du tulle. Et il y a plein de couches, en fait. Archi mignon. J'aime trop. Je sais pas à qui ça va aller, mais franchement... adorable, j'aime trop, c'est vraiment trop choupi. On arrive bientôt à la fin, donc on va prendre ça. C'est un petit legging archi cute. Pareil, ça je sais pas à qui je vais le mettre. Oh, ça pourrait peut-être le faire avec Asahina, avec un fond bleu, il y a des petites étoiles, il y a des petits bonbons, enfin bref, c'est trop choupi. Vraiment adorable. Tu veux bien me donner le dernier? Non, tu veux pas, arrête, l'abîme pas, trop de balles. Un cruchot. Donc dernier article.
de cette Japan Expo. Ouais, non, mais ne mords pas, ça va pas ou quoi? On en parle de ce petit jean trop cute. Aïe, mais arrête. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma cookie? Du coup, regardez, c'est un petit jean archi, archi cute. Il y a un petit bouton ici, il y a comme un peu... on dirait qu'il a été raccommodé, franchement, c'est hyper bien fait, c'est adorable. Je pense le mettre à Megumi, parce que franchement, elle est jamais en jean, et je trouve que ça lui irait tellement bien avec les petits trucs comme ça de couleur, c'est trop adorable. Oh, franchement, j'adore. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais en compagnie de Coucouille, hein. Donc merci d'avoir regardé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!